C'est avec solennité que Kofi Kwaku Lossien Emmanuel, désormais Nana Kwaku Lossien II, s'est présenté sur la place publique de Sungassou pour en être dorénavant le chef de village. Venus de divers horizons, les fils et filles de Sungassou n'ont pas voulu se faire compter cet événement consensuel qui a allié allègrement tradition et modernité. Le choix de ce digne fils comme 9e chef de village de Sungassou n'a fait l'objet d'aucune contestation. C'est donc à l'unanimité qu'il a été porté à la tête de ce village. Parrain de l'intronisation, le ministre Amédée Kwaku, tout comme madame le préfet de Dimboko, a prodigué de sages conseils au nouveau chef. Toi, en tant que chef, tu dois avoir la tempérance pour chaque fois tout encaisser, pour que la paix règne dans ton village. Parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Et nous savons ici que tu as été choisi à l'unanimité. Donc la paix régnera dans ce village. Et ce village donc va aller en se développant chaque jour. Directeur général d'une entreprise pétrolière américaine en Côte d'Ivoire, Nana Kwaku Lossien II succède à Nana Assassi Niamien Nzin II, décédé en 2019.